aishi na wewe milele na milele. Kwa hiyo adui alipo ingia katunyanganya nafasi yetu ya kubaki tunakusifu, kapenyeza uasi. Hata hivyo haukukubali kutupoteza. Tena ukanyenyekea ukashuka chini, ukavala mwili kusudi ushiriki shida taabu za mwanadamu, ili upatake gisi ya kumwelewa atakapokuwa katika maanguko. Bwana Yesu, tunashukuru sana. Sasa Mungu wetu, vyote vitapita lakini neno lako litadumu milele. Ndio. Tuweza furahishwa na vitu vingine, lakini vyote vitapita lakini neno lako litabaki milele na milele. Ndio kwa maana tunakukabidhi sasa usukani wa ibada, kwamba Mungu ukiwa mfalme utawale. Na usiruhusu lolote la kigeni kupata nafasi hapa. Ingia katika kazi. Timiza shabaha yako ambayo imekuongoza kwamba usiwe umenyakua kanisa, bali ukaruhusu programu ya ibada ifanyike. Mungu wa mbinguni, wewe ujuaye yote, uwezaye yote, Mungu, kamata utawala, uongoze mambo yote. Ikiwa ni kuokoa, uokoe. Ikiwa ni kuponya, uponye. Ikiwa ni kusaidia, usaidie. Ikiwa ni kubariki, ubariki. Ikiwa ni kufariji, ufariji. Na kama ni kukemea, tuko tayari kwa yote utatutendea. Njoo kwa maana tunaungana pamoja Bwana kuzuia kila distraction zote. Tunaomba kwamba ukamate mawazo yote na nia zote, kila aliyekuja hapa kwa ajili ya kukuabudu uruhusu akuabudu na wewe ukubali ibada yake. Tunakushukuru Mungu tukiamini kwamba utatenda yote kwa utukufu wa jina lako tu, Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Tusimama. Tusimama kusoma neno la Mungu. Mettre debout pour la lecture de la parole. Tenda katika wa Efeso. Nous irons dans Ephésiens. Ephésiens. Ephésiens 1, 3 jusqu'à 6. Yani wa Efeso sura yake ya kwanza. Mais tu peux commencer à 4. Et puis nous irons chez Jean 20, 22. Tutaenda kwa Yohane 12, 12. Kama vile alivyo tuchagua ndani yake mbele ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu pasipo kilema mbele yake katika upendo. Kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wana wake kwa njia ya Yesu Kristo, sawasawa ilivyo pendeza mapenzi yake, na kwa sifa ya utukufu wa neema yake ambayo alitupa sisi katika huyu mpendwa. Katika Yohane 12, 12:22 haraka. Jean 20, 22. Yohane 12, 12:23. Tanza 12:22. 12 na 12:22 mpaka 23. Jean 20, 22. Naye ni Yohane 12:22. Naye wakati alipokwisha kusema maneno haya, akawapulizia, akawaambia, mupokee Roho Mtakatifu. Wowote wakiwasamehe zambi zitasamehewa kwao, na wowote
Mukiwa fungia zambi zitafungwa kwao. Okay. Prions un peu. Tuombe kidogo. Maombi mafupi sana. Bwana wa majeshi. Bariki taifa lako. Tubariki kwa asubuhi ya leo. Tupewe kibali mbele za uso wako. Roho wako atufunike na liongoze neno hili na iwe ibada yako na watu wako. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amina. Shalom. Shalom men. Shalom. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu awabariki. Et qu'il soit avec vous toute la vie. Na awe pamoja nanyi maisha yenu yote. Et combattre les combats de chacun. Na apiganie kila vita ya kila moja. Jusqu'à son retour. Hadi atakaporudi. J'ai foi. Ninayo imani. Que Dieu est capable de répondre à vos préoccupations. Ya kuwa Mungu ana uwezo wa kujibia kwa yote yanayohusika nanyi. Parce qu'il est capable de le faire. Maana anaweza itimiza. Il est le seul. Ni yeye pekee. Qui peut combattre pour l'homme. Awezaye pigania mwanadamu. Et lui accorder la victoire. Na kumpea ushindi. Nous sommes fiers de vous. Tunawafurahia sana. Que vous soyez attirés par la parole de Dieu. Na mvutwe sana na neno la Mungu. Surtout, surtout, surtout. Zaidi, zaidi sana. Les soucis de la sainteté. Ile haja ya utakatifu. Et lorsque vous le faites. Wakati mufanyavyo hiyo. Dieu voit. Mungu anaona. Et il est capable de répondre à vos désirs de la sainteté. Na ana uwezo wa kujibia kwa hiyo haja yenu ya utakatifu. Vous avez toujours montrer le courage. Mara mulionyesha bidi. Dans trop de problèmes. Katika shida nyingi. Et cela c'est exceptionnel. Na hiyo ni jambo la kipekee. Continuez comme ça. Muendelee hivyo. Ne vous relâchez pas. Na musijiachilie. Surtout lorsque nous savons que les jours avancent. Zaidi sana tunapojua kuwa siku za songa mbele. J'ai reçu des questions cette semaine passée. Katika juma iliyopita nilipokea maswali. Mais je n'aurai pas le temps de les répondre toutes. Bali sitakuwa na muda wa kuzijibia zote. Il y a des moments où vous pouvez donner votre position sur une chose. Una wakati waweza onyesha msimamo wako kuhusu jambo. Et après le moment d'amener les écritures viendra après. Na wakati wa kuleta maandiko unakuja baadaye. J'ai reçu une question. Nilipokea swali. Qui disait ceci. Nilosema hivi. Est-ce que il est comme on est en train de mettre que le gouvernement est en train de demander que l'église se fasse connaître auprès de l'État? Est-ce que l'église peut le faire? Et je mbona serikali imekamata mpango hatua ya kwamba makanisa zote ziorozeshwe. Je sasa yawezekana hiyo na letu pia ifikie hatua hiyo? Ao yoyote. Voici ma réponse. Jibu langu ndilo hili. Que je vous donnerai avec des écritures à la fin. Nita. Un jour. Mais j'ai besoin de donner déjà ma position. Na, nina haja ya kuonyesha msimamo wangu. Le temps de justifier ma position viendra après. J'ai les écritures, mais je ne fais pas abonder dans na, ça. Siku ya kutoa mwangaza kuhusu hiyo itakuja. Maandiko yako. Ma réponse c'est oui et ma réponse c'est non, ça dépend de comment vous le faites. Jibu ni ndio na yaweza kuwa hapana yafuatana na namna unavyoweza ifanya. C'est oui. Ndio. Si vous comme église individuelle. Kama ninyi kama sawa kanisa la kipekee. Vous faites connaître. Munaenda jijulisha. Avec votre pasteur. Pamoja na mchungaji wenu. Comme une église seule. Sawa kanisa peke yake. Que le responsable numéro un connu par l'État soit votre pasteur local. Ya kuwa anayehusika wa kwanza ni mchungaji ajulikane na serikali. Vous pouvez le faire. Waweza ifanya. Et vous pouvez avoir des documents de fonctionner, de travailler. Waweza kuwa na vijikartasi vya kukuruhusu kutumika.
Le Branham Tabernacle était enregistré aussi. Sababu maskani ya Branham ilikuwa nayo imeorozeshwa. Ils étaient enregistrés. Alikuwa mejiorozesha. En tant qu'église. Sawa kanisa. Comme église enregistrée. Sawa kanisa lenye kujulikana. Là, hapo, c'est autorisé. Ya ruhusiwa. Amen. Amina. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Ujumbe unaoitwa eti kwa nini sisi? Paragraphe 16. Mtaji wake wa 16. Je vais lire un peu. Nitasoma kidogo. Cependant, kwa hiyo, nous sommes une organisation tuko mundo. Nous sommes une organisation enregistrée comme telle. Sisi ni mundo ambayo imeorozeshwa kama hivi. Ici auprès des tribunaux. Hapa kwenye mahakama. Un groupe déjà organisé ensemble pour adorer Christ. Kundi la watu ambao wamejitia pamoja ajili ya kuabudu Kristo. Mais nous ne sommes pas une dénomination. Bali sisi hatuko zehebu. Personne ne dominera sur nous. Hakuna takaye tawala juu yetu. Voyez-vous? Je, mnaona? Ce n'est pas une dénomination. Haiko zehebu. C'est juste une organisation, une communauté de croyants chrétiens. Ni muungano tu ya watu walio wa Kristo. Les gens viennent ici à l'église. Watu huja hapa kanisani. Et ceci devient leur église. Na hili linakuwa kanisa lao. S'ils désirent venir durant toute leur vie. Kama wanataka kuwa wanakuja hapa siku zote za maisha yao. Na mitajo mingi. J'en ai beaucoup. Nina mitajo mingi. C'est pas pour moi le temps de les dire parce que c'est pas le sujet du jour. Sio muda wa kuzitaja maana sio mafundisho. Mais comme les questions sont venues nombreuses. Hivi sasa maswali yalikuja mengi. Qu'est-ce que nous on va faire? Qu'est-ce que nous on peut faire? Sasa sisi tutafanya nini na nini tunaweza fanya? Je viens de vous répondre. Nimetoka kuwajibu. Mais là où je vous ai dit que moi je ne suis pas d'accord. Na pale niliwaambia kwamba mimi sikubaliane nalo. C'est lorsque nous ni wakati sisi, et les autres na wengine, et les autres na wengine, nous les pasteurs sisi wachungaji, allons prendre un monsieur tutatoa mtu mmoja, nous lui disons tu deviens notre chef, tunamwambia kwamba unakuwa mtawala wetu, nos églises seront dans ton église. Nos églises seront dans ton église. Makanisa yetu yatakuwa ndani ya kanisa lako. Et toi tu vas nous représenter. Na wewe utatuwakilisha. Un monsieur au-dessus des pasteurs pour décider sur les pasteurs locaux. Mtu anakuwa pale ajili ya kuamua juu ya wachungaji wa makanisa ya za pahali. Je suis pas d'accord avec ça. Sikubaliane na jambo hilo. Je le ferai pas. Na sitaifanyaka. Et je ne le crois pas. Na siamini. Ok? Sawa. Une église peut être enregistrée comme église locale avec son pasteur et là ses propres documents. Good. Kanisa linaweza likaorozeshwe kwa serikali na linakuwa na vikartasi vya serikali kwa kuruhusu kuabudu. Hiyo ni sawa. Avec sa propre doctrine, son ordre, sa conduite et sa discipline. Likiwa na mafundisho na mwenendo na utaratibu. Mais quand nous allons retrouver les Branham is God, les ceci cela, tous ensemble, avec un monsieur au-dessus des pasteurs, nous ne croyons pas la même chose, nous avons quelqu'un qui domine sur nous, ça non. Lakini kukiwa makanisa wanayokuwa na imani ya kuwa Branham ni Mungu, wengine Yesu alishakarudia, wengine kadhalika. Hiki na kile. Wachungaji mbalimbali. Wale wachungaji wawe na mwingine aliye juu yao kwa kuwa wakilisha kwenye serikali hiyo hapana. Wafanye kitu mpaka yeye waambie mfanye hivi. Avant de faire une chose, il faut que puisse obtenir une autorisation. Nous n'avons personne pour dominer sur nous. Eti hatuna mtu atakayetawala juu yetu. Ce que nous décidons ici, kile tunaamua hapa, c'est nous. Ni sisi wenyewe. Ce que nous changeons, tukibadilisha kitu, c'est nous. Ni sisi. Personne ne viendra nous dire, hakuna atakayekuja kutuambia, faites ceci, moi je suis le chef de votre pasteur. Fanyeni hivi, mimi ndiye mkuu wa wachungaji wenu. Je crois dans l'autonomie de l'église locale. Ninaamini katika kujitawala ya kanisa ya pahali. Alors je ne veux pas trop expliquer parce que je risque de blesser certaines personnes qui ne sont pas d'ici.
qui sont loin. Sitaki fasilia mingi sababu naweza nikakwaze wengi ambao si wa hapa bali wako mbali. Qui croit différemment de ce que je dis et qui croit qu'ils peuvent le faire. Wanaoamini tofauti na yale nimetoka kusema na hao wanaona kuwa wanaweza wakaifanya. Je suis sur les réseaux sociaux. Niko kwenye mitandao. Je leur donne le droit aussi de faire ce qu'ils pensent s'ils croient que ce sont les écritures, mais moi je n'ai jamais vu ça. Ninawapa haki ya kufanya yenye wanaona kuwa ni maandiko, lakini mimi si ayona. Je ne voudrais pas paraître que je vais attaquer les autres qui pensent d'une autre façon que moi. Sitaki nionekane kuwa ninaanza pinga watu ambao hawaamini sawa mimi. Mais j'ai aussi la responsabilité, lakini pia ninayo jukumu, de m'adresser à vous ya kuambia ninyi, pour qui j'ai la responsabilité, ambao ninawajibikana ninyi, que vous sachiez si je fais quelque chose, je la fais comment et je vous amène où. Na nikifanya kitu mjue kwamba ninakifanya namna gani na ninawapeleka wapi. Si on vous dit que votre pasteur vous a amené dans une autre congrégation où il y a des hommes au-dessus de lui, dites que celui-là sera en train de vous mentir. Mukiambiwa huko nje kuwa mchungaji wenu amewaingiza katika miundo mingine, anataka kuwapoteza, kuwajibie. Kuingiza kwenye mtu mwingine atakuwa na msemea juu. Mwambie pana. Ule mtu akiwaambia mumwambie uongo. Si cette personne vous disait, dites-lui que c'est faux. Na kiwambia ni kweli. Et s'il vous disait que abape document yenye nilisigné hapo. Il vous montre un document qui certifie ma signature. Jina langu na signature yangu. Mon nom et ma signature. Kisha mumwambie, munambie. Et puis vous allez me dire. Yakoi. Voilà ta signature. Ulienda ka signer mwa bile bitu. Tu étais parti signer dans ces choses. Tutatie le document pas tutai projeter. Cherchez ces documents et on va les projeter ici. OK? Sao. Ni me répondre vite. Vinusu. J'ai répondu à moitié. Sababu swali zimekuwa mingi. Les questions ont été nombreuses. Tutafanyaje mchungaji? Qu'est-ce que nous allons faire, pasteur? Mbona mmepanda miezi mitatu? Itakuwaje? Ça fait 3 mois que ferons-nous? Nimejibia walio hapa. J'ai répondu ceux qui sont ici. Wachungaji wengine, d'autres pasteurs, nao wanawajibu kwa makundi zao. Oh, si la responsabilité sur leur troupeau. Siko responsable wa makanisa za wengine. Je ne suis pas responsable des églises des autres. Mana sitaulizwa la mwingine. Parce qu'on ne demandera pas sur l'église de notre pasteur. Non, non. J'ai apporté cette réponse. Deuxième question. Soit la pile. Il y a un frère qui m'a posé. Il a dit, frère pasteur. Akasema, e ndugu mchungaji. Je suis en train de me poser trop de questions. Niko nikijiuliza maswali mengi. Comment un homme qui a le Saint-Esprit meurt? Kujua namna gani mtu anayekuwa na Roho Mtakatifu anafariki. Celui qui a le Saint-Esprit, quand il meurt comment? Anayekuwa na Roho Mtakatifu anapofariki hufa namna gani? Il m'a posé cette question. Akani swali hilo. J'ai compris qu'il était dans le droit de me la poser. Nikaelewa ya kuwa alikuwa katika haki ya kuniuliza alo. Surtout zaidi que nous sommes dans l'enseignement du Saint-Esprit. Na tuko mafundisho kuhusu Roho Mtakatifu. Et il avait droit de poser cette question. Na kwa hiyo alikuwa na haki yote kwa kuuliza swali hilo. Surtout que zaidi sana quand nous cherchons une chose, tunapotafuta kitu, nous avons besoin aussi de savoir à quoi elle nous servira. Tuna haki pia kujua kwamba itatufalia nini. Nous prêchons toujours sur le Saint-Esprit. Siku zote tulihubiri kuhusu Roho Mtakatifu. Mais c'est comme si quelqu'un allait me dire, et ce Saint-Esprit là que vous posez. Ni kama vile mtu naye aliniuliza, yule Roho Mtakatifu mnayemhubiri. Je demande au technicien de récupérer mon document qui est sur WhatsApp à leur page. Je vais le projeter dans une minute, ça se trouve chez eux. Et comme pour dire le Saint-Esprit que vous nous prêchez, kama vile kusema Roho Mtakatifu mnayetuhubiri, quand nous l'obtenons, tunapompata, les jours que nous partons, siku tunapoenda, il nous aidera comment? Atatusaidia vipi? Alors je vais vous lire quelques citations. Kwa hiyo nitawasomea mitajo kadhaa. Parce que si vous cherchez dans la Bible, vous ne trouverez pas. Sababu mukitafuta katika Biblia hamtaipata ndani. Mais il y a des versets presque similaires. Lakini kuna mashairi yanayoambatana nayo. Alors je vais vous donner quelques citations. Kwa hiyo nitawapa mitajo fulani. Et ça va nous aider un peu. Na zitatusaidia kidogo. Dans ce temps. Kwa wakati huu. Je vais vous lire ça. Nitayawasomea. Je ne perds pas le temps. Na sipoteze muda. Ça fait partie de la prédication. Ni mojawapo ya mahubiri. Parce que celui qui a posé peut l'avoir posé seul. Sababu aliyeuliza
Anaweza kuwa ni epeke. Mais ça va aider les autres. Na itasaidia wengine. Ok. Sawa. Tout le monde peut avoir besoin d'avoir cette réponse. Kila moja wetu anaweza kuwa na haja ya kupata jibu hilo. J'aimerais les amis, je vais lire. Nitasoma. Si ça projette pas. Les techniciens venaient m'aider à mettre ça en ordre, mais je vais lire, j'en ai déjà ici, je vais lire en attendant. Vous pouvez projeter là-bas sur YouTube, sur YouTube directement. Je vais lire. Nitasoma. C'est le livre qu'on appelle Histoire de ma vie. Ni katika kitabu kinachoitwa Historia maisha yangu. 20 août 50. Tarehe 22 Agosti mwaka wa 50. Paragraphe 132. C'est pas sur PowerPoint, c'est sur Word. OK. Il faut le faire. Alors, je vais lire. Kwa hiyo nitasoma. Sorry. Je l'ai déjà éteint. OK. Je vais lire. Nitasoma. Bon, c'est pour qu'il voit, mais si vous projetez là-bas, ça suffit. Alors, un matin. Asubuhi moja. Le médecin va probablement quitter la pièce en disant. Daktari bila shaka katoka katika chumba na kusema. Ça, c'est bon, c'est bon. OK. Très bien, ça suffit, c'est bon. Merci beaucoup. Un matin, asubuhi moja, le médecin va probablement quitter la pièce en disant qu'il n'y a rien qui puisse être fait. Daktari taweza kutoka katika chumba na kufanya. Asubuhi moja, daktari atatoka kama chumba chenye mimi na gonjo yamo na ambie watu aseme tunaona tena hakuna kitu cha kufanya. Siku moja, ndio. Munganga tatokaka. Le médecin sortira. Nambie batu. Et dire aux gens. Bo tunaona tena hatuna cha kufanya si banga. Bon, nous avons constaté qu'on n'a plus rien à faire sur cette personne. Les bien-aimés se tiendront là. Wapendwa wangu watakuwa hapo. Tordant les mains pleurant. Waki piti waki gusagusa mikono yao na kulia. Hiyo siku. Ce jour-là. Na niko ndani ya chumba. Ndio dans la chambre. Wanganga wamesema banaona hakuna tena cha kufanya. Les médecins ont déjà déclaré qu'ils n'ont rien à faire. Et marafiki zangu. Mes amis. Na wapendwa wangu. Mes bien-aimés. Watakuwa pale nje. Seront là dehors. Wakifinyafinya mikono yao na wakilia. Leurs mains et pleurer. De vapeur froide de la mort flotteront au chevet du lit. Un vent froid de la mort passera. L'épaule remontera dans l'air. L'épaule remontera dans l'air manche. Hiyo siku. Bakidi inge. Itakujaka kwenye msegeme wa kitanda changu. Na pale pale. Heo pepeo. Wa mauti utapitaka. Pale pale hiyo mipiga pigio ya moyo wangu. Moment où mon cœur sera en train de battre. Ita simama kama chini inasimamia katikati. Va s'arrêter et fait comme si ça s'arrêtait au milieu. Alors, à la fois, le vieux bateau de Sion apparaîtra. Hiyo mashua ya kale ya Sion itaonekana. L'étoile du matin descendra dans la vallée de la mort pour éclairer la route. Halafu nyota ya asubuhi tashokaka katika bonde la mauti ili kuangaza njia. Hiyo siku. Jour là. Takapokuwa nikifa. Serai en train de mourir. Mashua ya Sioni itakuja. Le bâton de Sion viendra. Na nyota ya asubuhi. Et l'étoile du matin. Amen. Tashukaka mwalile bonde la mauti lenye nafsi yangu itakuwa ikipita mwe kirudia. Descendra dans cette vallée de la mort quand mon âme sera en train de rentrer. Vile kutakuwa giza nyingi njiani. Et comme il y aura trop d'obscurité dans la route. Hiyo nyota ya asubuhi. Cette étoile du matin. Itashukaka kuangazia ile giza. Descendra pour illuminer cette obscurité. Ni kama hivyo ningekuelezea. Comme si je pouvais te dire. Musioamini anapokufa anaendaka mugiza direct. Quand un incroyant meurt part dans l'obscurité direct. Mupagani yesa iko nakufa. Quand un incroyant entre de nafsi na mutoka kamo. L'âme aussi quitte. Inatumbo
tumbukia nje, et aussi descendant, inaona ni giza mtu, et il se retrouve dans l'obscurité. Katika hiyo njia ya kivuli cha mauti. Amina, dans ce chemin de l'ombre de la mort. Et lakini mimi, mais moi, hiyo nyota ya asubuhi, l'étoile brillante du matin, itashuka kama lile bonde la mauti la giza, descendra dans cette vallée de la mort d'obscurité, itupiemo mwangaza, pour éclairer, juni pate kwa kupita, pour que je puisse voir où passer. Manake ni kukwambia wapagani wanapokufa wao, ça veut dire que quand les païens meurent, nafsi natokaka, l'âme quitte, inafika mwile njia ya kivuli cha mauti, et elle arrive dans ce chemin de la vallée de la mort, haione mbele, sans voir ni haione nyuma, ni derrière. Yote binakuwa ka noir noir noir, tout devient noir. Lakini sisi tuliwamini, mais nous qui avons cru, pale pale mwile bonde la mauti, au même instant dans cette vallée de la nyota mort, ya asubuhi, l'étoile du matin, inashukaka mwile bonde, descend dans cette vallée, inatorshe mwile ndani, et illumine là l'intérieur, que tu puisses voir là où tu es en train de partir. Frère Branham continue. Dugu Branham anaendelea. Ils verront les deux ailes brillantes du Saint-Esprit parcourir les Jourdains. Wataonaka yale mabawa mawili ya kianga Roho Mtakatifu ikipitia Yordani. Wataonaka. Ndio. Yale mabawa mawili. Deux ailes. Mawili. Les deux. Il y a Rome takatifu. Amen, amen. Le Saint-Esprit. Kishuka. Descend. Yenye kuangara. Resplendissant. Na itanza angazia Jordan. Et en train d'illuminer dans le na yangazia na lile bonde la mauti. Et illuminer aussi la vallée de l'homme de la mort. Il dira. Itasema. Viens, viens. Kuja, kuja. Viens, viens. Kuja, kuja. Toi béni de mon père. Wewe mbarikiwa wa baba. Je t'ai vu ce jour-là dans une réunion sous une vieille tente à Cleveland, quand tu es venu et que tu m'as accepté. Maintenant, je t'accepte. Eti, nilishaka kuona katika mkutano chini ya hema na hapo sasa kule ku Cleveland kwenye uliniitikaka na wewe maraba na mie leo na mimi na kuitika. Nilikuonaka mwele Betel Goma. Nitabebia El Betel Goma. Na bako bana hubiri mie nikakuonaka mule. Et quand on était en train de prêcher, moi je t'avais vu là. Ukaniitikaka mie. Et tu m'avais accepté. Maintenant que na wewe unarudia kunyumba. Maintenant que toi aussi tu rentres. Bamenituma nikuye kukurekipere na mie nikubebe. Amen. Envoyez de venir te récupérer pour que je t'amène aussi à la maison. Kwamba tunapoamini, ça veut dire quand nous croyons, Mungu anakuwa kaiko natuona moja kwa moja. Dieu est en train de nous voir chacun en son tour. Mungu ni Roho Mtakatifu. Alléluia. Dieu c'est le Saint-Esprit. Ile tunaaminiaka, façon dont nous croyons, tunamukubali, nous l'acceptons, tunamupokea, nous le recevons. Ule ule Roho ambaye ni Mungu, le même Saint-Esprit qui est Dieu. Wakati unakufa, quand tu meurs, tellement que hakuna mwenye shakafika kule aseme atakuongoza. Tellement qu'il n'y a personne qui est arrivé là qui te dira qui va te conduire. Tellement que ya mauti ni giza. Tellement que le chemin de la mort est obscur. Yule yule Mungu liye muamini. Le même Dieu que tu as cru. Ule ule Roho Mtakatifu liye mpokea. Le même Saint-Esprit que tu avais reçu. Jomanya nendaka tangulia kule mbele. C'est le même qui te précède. Anatoka. Il revient. Muro nafsi yako. Il quitte dans ton âme. Na nabakia tena. Et il reste dedans. Anenda kule munjia. Il part dans le chemin. Ananza piga mabao. Il commence maintenant à battre. Mana roho iko na forme ya pigeon. Parce que le Saint-Esprit a la forme de pigeon. Et quand il était descendu sur Jésus, il était descendu comme une colombe. Il précède là devant. Et toi, quand tu quittes sans ne sachant pas là où tu vas, tu vois l'étoile dans l'air qui éclaire dans le chemin. Mais tu ne sais pas là où se trouve le bout du chemin. Là à la fin. Là vers le Jordani. Le Jourdain. Unaona ngambo kidogo. Tu regardes là de l'autre côté. Roho anakuya. L'Esprit venu. Anapiga mabawa. Batant ses ailes. Mais c'est wewe uliyependwa na Baba. Kuja. Le bien-aimé du Père. Viens. Kuja. Viens. Uliniitikaka. Tu m'avais accepté. Kudunia. Sur la terre. Na mimi nakuya kukurekipere. Moi aussi je viens te récupérer. Amen. 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 Il y a les gens qui posent des questions. Et quand on leur répond, nous tous nous profitons. Et
Tunaingia ku kitabu kinaitwa Nous prenons expectative. Une autre brochure qu'on appelle l'expectative. Kujingojeshea chenye kinaweza tokea kwa kila wakati. C'est faire attendre à quelque chose qui peut C'est ça expectative. Kujingojeshea kwa makini kwa muda wowote kwamba kitu kitokee. C'est faire attendre sur quelque chose qui peut apparaître n'importe c'est, quand. C'est ça le mot expectative. Ndio neno kujingojeshea. Nitasoma. Je vais lire. Paragraphe 55, c'est 14 juillet 51. Tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka wa 51. Maintenant, sasa, merci monsieur. Asante bwana. Ici je sais que c'est très difficile. Hapa najua kwamba ni vigumu sana. On s'en inquiète chaud comme ceci, nous n'y pouvons rien. Bon, tuko na kifuku tu mu chumba basi hatuna cha kufanya. Je souhaite maintenant kitu ninacho par ce beau cantique kwa wimbo mzuri huo. Avec moi ukae nami giza inakuja usiniache Mungu nakuona na kazalika alerte de ma mort wakati wa kufagea quand la vie sera en train de me quitter wakati uzima utakuwa ukitoka ndani yangu oh la la lao jamaa les anges de Dieu wa malaika wa Mungu j'espère me porteront vers la gloire natumaini ya kuwa watanipeleka kwenye utukufu je pense que c'est déjà réglé nadhani mambo imekwisha wekwa tayari mimi nawaza byote bilisha jipanga zamani hakuna vya kwanza tafutisha il n'y a plus rien à rechercher byote bilisha kuwa réglé tout est déjà réglé quand ils m'amèneront watakapo nipeleka j'espère entendre ce cantique être chanté comme cela reste avec moi kusikia ule wimbo utakao kuwa ukiimbwa hivi quand la mort m'étranglera wakati kifo kitakapo niniga quand la mort m'étranglera la gorge wakati kifo kitakuwa kinishika ko et que les vapeurs froides se lanceront contre mon âme na wakati upepo wa baridi utakuwa ukishambulia nafsi yangu. Je m'engagerai dans cette longue vallée qu'on appelle la vallée de l'ombre de la mort. Nitakapoingia katika bonde hilo kubwa linaloitwa bonde la mauti. J'aimerais voir l'étoile du matin apparaître. Ningependaka nione hiyo nyota ya asubuhi ikionekana. Éclairer le chemin de la vallée de l'ombre de la mort. Ikiangazia bonde la kivuli cha mauti. Et quand j'atteindrai le Jourdain, na nitakapofika kwenye Yordani, je m'attends à voir les deux ailes brillantes du Saint-Esprit s'étendre là et emporter nos âmes fatiguées vers un pays meilleur. Alléluia. Na jingojeshea kuona yale mabao mawili yakiangaa Roho Mtakatifu yakielekea kunipeleka kwenye nafsi zilizochoka kuelekea inchi nzuri sana. Amen. 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 Ninge ngojea. Je pouvais m'attendre. Nitakapoanza ingia mwele barabara ya kivuli cha Mungu. Je commencerai ce chemin de l'ombre de la mort. Kukoverte ya mpsome na biseme ti nitakap etikatika bonde la mauti. Il y a un verset de psaume qui parle de l'ombre de la mort. Sitaogopa kitu. Amen. Je mana fimbo yako na gongo lake hunitegemeza. Car ta verge. Si kuitafute le verset mais munaijua. Psaume 23. Psaume combien? 23. Yes. Très bien, Somayo. Misi chelewe. Lis ce verset. Sasa Daudi sana sema bonde la mauti. Muliwaza ni bonde la kuishi. Unawazaka ni kivuli cha usiku ya usingizi. Bongo. Quand David parlait de l'ombre de la mort, vous croyez que c'était quoi? L'ombre de la mort réellement ni kivuli cha mauti unapita mna umekufa. Donc tu passes dedans étant mort. Usingizi tu ni kutuonyesha vile tunalalaka na tuwe kwenye tuko me. Usingizi haiko relema tu kivuli cha mauti. Kivuli cha mauti manake unashuka mkita na umekufa. Le sommet ce n'est pas l'ombre de la mort. L'ombre de la mort c'est quand tu meurs et tu descends dans l'ombre de la mort. Comment la nuit c'est la mort alors que tu t'es réveillé le matin? Namna gani sasa usiku ni kifo na ulilamuka asubuhi. C'est quel verset? Psaume 23. 4. Ndiyo, shairi ya ine. Hata nikipita katika bonde la kivuli cha mauti, sita ogopa mabaya, kwa maana wewe ni pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako zita ni fariji. Tu peux lire en français? Quelqu'un qui peut trouver rapidement? 23. Ok. Lisez.
Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. C'est vrai. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen, amen. Tu très bien. Ça va. Quand la mort m'étranglera la gorge, wakati kifo kitakaponi niga shingo, wakati mutu iko nakufa, quelqu'un en train de mourir, anasikiaka kitu kinamubloke pumuzi. Il sent comme s'il y a quelque chose qui bloque sa respiration. Yes. Mauti iko nakuniga. La mort est en train de t'étrangler. C'est comme ça que vous allez voir que les médecins commencent maintenant à mettre des respirateurs. L'oxygène. Ça veut dire que pendant que tu seras en train de te débattre, et aussi se débattent pour voir comment est-ce que tu vas continuer à respirer. Quand la mort m'étranglera la gorge, et que le vapeur froide se lancera contre mon âme, baridi pepo hewa baridi zitakapo kwazi kivamia nafsi yangu, mutu saiko nakufa, kaini meantre de mourir, signe za kufa inakuwa ni baridi naanza ingia mumu. Le signe de la mort c'est quand le froid commence à attaquer le corps. Oui oui. Inakuwa kani hiyo baridi, c'est ce froid là inaanza shambulia nafsi, qui commence maintenant à attaquer l'âme, na pale pale et directement baridi inaanza nasa, le froid commence à saisir, ma organes zinashindwa fonctionner, les organes n'arrivent plus à fonctionner. Et il y a des fois où ça peut commencer par les jambes, ça monte, et tu sens comment ça monte, et tu retrouves qu'une partie est déjà froide, mais ici mais la partie supérieure encore. Maintenant quand ce froid là va saisir là à l'intérieur, les vapeurs de la froideur, quand je m'engagerai dans cette longue vallée qu'on appelle la vallée de l'ombre et de la mort. Verset munayona na ujumbe. Vous avez vu le verset et il y a aussi maintenant la citation. Dans l'ombre de la mort, j'aimerais voir l'étoile du matin, l'étoile du matin apparaître. Ningependa kani one ile nyota asubuhi kionekana. Éclairer le chemin de la vallée de l'ombre de la mort. Ikiangazia ile njia ya bonde la mauti. Et quand j'atteindrai le Jourdain, je m'attends à voir les deux ailes brillantes du Saint-Esprit s'étendre là. Et emporter nos âmes fatiguées vers le pays. Amen. Amen. Amina. En attendant ce temps-là, puissions-nous vivre fidèlement envers lui. Je, twaweza tukaishi kwa uaminifu ajili yake. Lui qui est fidèle envers sa parole. Yeye aliye mwaminifu kwa neno lake. Kwa kungojea ile siku. Attendant ce jour. Il fique. Pour qu'il arrive. Amen. Tabapatia citation ya tatu kwa washuda wa la watatu kila neno. Je vous donnerai la troisième citation. Le ministère de Christ. Sorry. Le ministère de Christ. Syriza Christo. 7 juin 53. Tare saba, mwezi wa sita, makumi tano na tatu. Paragraphe 16. Mtajo wa kumi na tatu. Oui. Dio. J'ai vu les méchants étendre son gras arbre verdoyant, mais a-t-il dit, as-tu considéré sa fin? Et-il? N'anza pas les jours. Ces gens se sont rassemblés ici sous ce toit pour t'adorer. Watu wamekusanyika hapa chini ya jengo hili ajili ya kukuabudu. Beaucoup de tes enfants se fatiguent. Wengi wa walio wako wamechoka Bwana. Ils voient ces méchants prospérer. Wanaona waovu wakisitawi. Mais lakini puisse-t-il considérer David alors que tu lui as parlé en ces termes? Je, wangeweza kuona Daudi wakati ulipomsemesha katika maneno yake. Aba watu wenye bako wanachoka juu wanaona bapagani babo banaendelea kuwa bien, ne babo banatumikia Mungu banaona bapagani njo bako banaavance mzuri, me babo banaona habako bien alors que njo bako banatumikia Mungu. Ungebasaidia basi bakumbuke maneno yenye David alisemaka. Oui. Dio. Je vis le méchant étendre son grand arbre verdoyant. Niliona wabaya wakitanda mabawa ya matawi yao na majani ya kimanjani. Mais a-t-il dit? Lakini akasema. As-tu considéré sa fin? Je, Daudi ulishakaona pia mwisho wao.
C'est alors que tout se révélera. Ndipo sawote wakaamka. Njo biote bitafunuliwaka. C'est terre où l'ange de la mort entrera dans la chambre. Ile saa wakati malaika wa mauti atakapoingia chumbani. Les nuages commenceront à entrer dans la chambre en flottant. Wakati mawingu yataingia katika chumba ya kipiga piga. Et nous savons que nous traverserons la vallée. Na tunajua wazi ya kwamba tutavukaka bonde. Quand sera-t-il alors? Itakuwa kaje sasa? Kati mtu iko nakufa. Quelqu'un est en train de mourir. Ananza kaona mchumba mko sama wingu iko inakupita. Commence à voir dans la chambre comme s'il y a les nuages. Yana waza ni mawingu. Lui il pense que c'est sont les nuages. Mbele malaika wa mauti mwenye anaanza défiler mule mchumba. Dans c'est l'ange de la mort qui commence à défiler dans la chambre. Uko nakufa unaona sema hii mawingu inaanza pita mwe chumba. Toi tu es en train de mourir en disant oh, c'est nuages qui sont en train de passer dans la chambre. C'est l'ange de la mort. Mwingine ujumbe stai prêcher ça il frère Branham sememe anakuyaka na naikala na kukitanda kwenye iko. Dans une autre brochure là où le prophète dit que des fois même l'ange de la mort vient et s'assoit sur les lits, les chevets du lit là où tu dors. Na kilibawa kimoya. Et puis il te couvre avec une aile comme ça. Kisha unaanza una giza. Maintenant toi tu commences à voir l'obscurité. Yosiku, ce jour-là, itaona mawingu yakianza zunguka ndani ya chumba. Je verrai les nuages en train de circuler dans la chambre. Lakini, mais itavuka bonde. Je traverserai la vallée. Amen. Amen. Nimejibia. J'ai répondu. Même si kujibia yangu imekuwa fupi. Même si ma réponse est courte. Hii ni enseignement ya kabambi sana. C'est un grand enseignement. Ya mrefu sana. Et très long. Nafundisha siku moja niliwahi kuifundisha mtungali kule kwa scout. Un jour j'avais enseigné ça quand on était encore là chez les scouts. Vile unakuwaka. La façon dont tu es. Unaona sawa. Et tu vois comment. Puis comme l'adoption. C'est dans l'adoption. Sa uko naenda. Quand tu es en train de partir. Na uko mpagani. Et tu es païen. Unaona kama kwenye ulikuwa nalala. Tu regardes là où tu dormais. Mapepo ndio siku zina parachuter. Ce sont les démons qui sont en train de parachuter. Ça noir. Les démons noirs. Na minyororo mu mikono. Avec les chaînes dans leurs mains. Zinakwambia tunakuja kufunga tukubebe. Et ils te disent nous venons t'enchaîner pour que nous t'amenions. Ndio mnaona kama pagani wanakufa bako nalalamika. Haikuwake ni yabo bwana kwa kama bako wanapigana na minyororo ya kubafunga. C'est pourquoi vous constatez qu'il y a les païens qui meurent en criant. Ce ne sont pas ils sont en train de se battre avec les chaînes qui viennent les chercher. Bako nalalamika bure. Ils ne meurent pas en criant pour rien. Bwana kwa kama bako wanaona bie. Ils sont en train de vivre la scène. Mniache. C'est vrai. Ils descendent avec les chaînes, des grandes chaînes, avec des cadenas. Et ils te disent, on est envoyé pour te prendre. Tu es en train de te battre pour ne pas partir. Mais la maladie a déjà attaqué tous les corps. Et il n'y a plus moyen. Saint-Esprit, haïku. Et le Saint-Esprit, tu ne l'as pas. Mungu haiku. Dieu n'est pas là. Wokovu haiku. Le salut n'est pas là. Les péchés aussi que l'homme a commis sont sur lui. Juhakutubu ni nzito sana. Parce que tu ne t'es pas repenti, ils sont très lourds. Et maintenant. Sasa. Maintenant, quand tu finis à t'attaquer, il te traîne rapidement et ils font descendre dans l'obscurité. Et il descendra en train de crier jusque maintenant. Il restera dans les souffrances comme s'il est en train de rêver, mais c'est la vérité. Les âmes qui sont maintenant en prison. Amen, amen. Là, dans la brochure, Nafsi Zilizo Kifungon. C'est comme si on est en train de t'injecter les flèches de feu. Les fers à béton. Les fers à béton de za feu. Moto. Il est souffrance. Cette souffrance là. On a si qui a eu ça parce qu'on a coutumé comme faire à béton ça monte. Tu sens comme si on est en train de te mettre le fer à béton. Jusqu'à à la deuxième résurrection pour le jugement. Il est mille ans itapitaka na bako bana teseka tu. Les mille ans passeront pendant qu'ils seront en train de souffrir. 3 ans et demi tout amaliza minguni na bako bana teseka tu. Les 3 ans et demi des noces de l'agneau nous les passerons pendant qu'ils sont en train de souffrir. Na hiya kwa kubafufula babatie mumwili babatupie mumo. Ce n'est même pas encore la résurrection pour qu'ils soient ressuscités, pour qu'ils soient jugés et jetés dans les temps de feu. OK? Ça. Ça ta mukri et ça naenda. Maintenant les croyants quand ils partent. C'est dans l'adoption. C'est dans l'adoption. Et tu
Il est là comme en train de voir. Les anges viennent. Et ils commencent à les. Ils lui disent. Nous avons lu certaines choses. Et ils lui disent, nous venons te prendre. Il commence d'abord à te calmer. Pour que tu ne puisses pas avoir peur en disant je meurs, je pars où. Tu vas voir les anges. Là tu sens que oh, je vais arriver. Il sait déjà qu'il doit arriver parce que la présence des anges le rassure déjà qu'il doit arriver. Maintenant là, dans l'adoption, Abraham dit, comme si tu vois la mer devant toi. Une grande mer. Et tu vois comme si on t'y amène là-bas. Et puis, tu commences à changer, ça change en fleuve. Ça devient maintenant un fleuve. Et puis ça devient comme un fil. Et tu sens comme si on te pousse dans un fil comme ça. Un petit fil. Et tu deviens petit comme un fil. Tu sens comme si on te pousse dans une chose. Mais qui te rétrécit comme un fil. Tu pars. Et tu sens que là où tu es en train de partir, tu n'as plus peur. Tu avances. Maintenant dans ce chemin, c'est là où maintenant ça devient obscur. C'est maintenant ce que nous avons lu dans cette citation là, on dit que l'étoile brillante de Jésus va éliminer là-bas. C'est le même verset de psaume 23. Quand tu arrives là vers la fin, nous entrons maintenant dans la brochure qu'on appelle les noces de l'agneau. Tu arrives au terminus. Tu vois comme tu es dans un bateau et tu vois de l'autre côté. Façon donc, quand, par exemple, comme nous, quand nous partons à Bukavu et nous voyons les gens au port. Ou quand nous venions de Bukavu, nous rencontrons, nous voyons les frères déjà au port qui viennent nous attendre. Dieu aussi regarde parmi les gens que tu connaissais qui t'ont précédé. Ce qui était arrivé. Le jour que tu mourras, on le sélectionne au ciel. On leur dit, tel viendra aujourd'hui. Vous qui le connaissez, et il vous connaît. Pour que quand il arrivera au port, pour qu'il ne se perde pas et qu'il ne puisse pas avoir peur. Allez de l'autre côté de la rivière. Quand il sera en train de venir, et il se pose la question ici, c'est où? Appelez-les. Dites-lui, nous sommes ici et nous avons dit de venir t'attendre. Amen. Je sais que vous le savez. Oui, oui. Sachez-le comme ça. Amen. Maintenant, quand tu es en train de venir, s'il y a ce qui était arrivé. Amen. C'est pourquoi nous avons l'obligation de ne pas tomber. Amen. Parce que quand tu partiras, pour que je puisse venir te prendre. Si tu partais, que tu puisses venir m'attendre. Si nous resterons en vie, jusqu'à ce que le retour de Christ soit arrivé, ceux qui seront partis, puissent attendre. Amen. Mais des options sont possibles. Toutes les options sont possibles. Amen. Quand tu seras en train de venir comme ça, en te posant ici, c'est où? Qui me connaît ici? Seulement, je me souviens, j'étais dans l'hôpital. Et maintenant, là où on me fait passer, c'est vraiment ça, c'est mauvais. Et la façon dont on nous avait déjà dit ça, ouvre les yeux comme ça. Tu vas voir maintenant les gens en train de flotter, les habits blancs. Patrick! Il t'appelle Steven! Mr. Semagina Lako. Je ne veux pas citer ton nom. Pour que tu ne puisses pas dire, maintenant comme le pasteur m'a cité mon nom, donc je dois partir. Je veux dire mon nom. Alléluia. Pour que tu ne puisses pas avoir peur. Patrick. Steven. Pasta.
Mais ça va tu kungoye kuya. Les habits de t'attendre viens. Mina ngalia. Moi je regarde. C'est fulani ou. Mais c'est tel celui-là non. C'est fulani ou. Dis tel là. Unaanza nyangula mikono. Tu commences à soulever les mains. Banakuya. Ils viennent. Banakuya. Ils viennent. Unakumbatiana. Ils t'embrassent. Hakuna ma sensation za kimwili. Il n'y a plus de sensations humaines. Mana umeingia mu dimension nyingine. Parce que tu es entré dans une autre dimension. Kama ni ba sœur. Même si ce sont des sœurs. Frère Branham ali visiter le niveau akasema bali nikumbatia sikusikia kitu. Frère Branham avait visité cette dimension et on l'avait embrassé, il n'avait rien senti. Na benye balienda mu 90 na banisha kwa bafie ba 18. Il était parti avec 90 ans, il s'était transformé en 18 ans. Oui, oui. Maintenant, si tu penses que c'est faux, qu'est-ce que toi on t'avait enseigné? Amène la version de ce qu'on t'avait appris chez vous. Amen. Vous ne savez que s'opposer à ce que les autres disent et vous n'avez pas le contraire. Bon, si ce n'est pas ce qu'on vous dit, le vôtre qu'on vous a appris, c'est où? Amen. On t'accueille. Bana kukumbatia. On t'embrasse. Allez, bana kuambia. Et puis on te dit. Twende basi. Maintenant partons. Unisha fika. Tu es déjà arrivé. Bana kukonduire. Ils te conduisent. Bana kuya kufikisha pale. Et ils viennent te faire arriver. Mu dimension. Dans la sixième dimension. Ya kungojea. En attendant. Ufufuko. La résurrection. Na kunyakule. Amen. Et l'enlèvement. Njo mana kama mko munaona tuko tunapigana juu ya Saint-Esprit. C'est pourquoi si vous pouvez nous voir en train de nous battre contre le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Kutubu njo kutu. La repentance c'est la repentance. Le baptême c'est le baptême. La réparation c'est la réparation. Se sauver c'est être sauvé. C'est parce que si vous ne recevez pas le véritable salut, nous sommes venus me bredouiller. Nous rentrerons me bredouiller. Là où je suis. Est-ce que je suis chez moi? Si je partais même par ici, est-ce que j'arriverais dans ma chambre? Mais je porte un seul soulier. Peut-être que j'ai 5. Mais si je partais maintenant, je partirai avec combien de souliers? Et si vous le faites descendre, est-ce que je vais le porter dans la vallée de l'ombre de la mort? Non, non. Amen. Amen, amen. Est-ce que je n'ai pas un chukudu ici? Est-ce que vous croyez que je l'ai ici dehors? Si je partais ici. Mais c'est cela que vous allez amener pour mettre mon corps dedans pour m'acheminer vers la mort. Est-ce que le soir vous n'allez pas utiliser le chukudu pour aller acheter le fait de manioc? Est-ce que vous allez le faire descendre aussi dans le cercueil? Est-ce que les enfants vont d'abord vous accepter? Maintenant, si je n'ai pas reçu le Saint-Esprit. Amen, amen. Oh, niko na pigana na mini pate. Pata, je suis en train de me battre aussi pour que je trouve. Trouve, on ne te refuse mais pas. Si kukule muda. Mais que ça ne prenne pas trop de temps. Paka ukose pata cha lazima. Jusqu'à ce que tu arrives à manquer le nécessaire. Ça, unafika pale mubonde la mauti. Quand tu arriveras hey. Dans la vallée de l'ombre de la mort. Kiza. Obscurité. Yo. Amen. Amen. Ngoya niombe. Attendant que je puisse prier pour que cette partie nous la clôturons. Je n'ai pas su que je devrais expliquer tout ce que je dis. Je pensais que je devrais juste répondre. Le roho, mais cet esprit, c'est celui qui le prolonge. Amen. 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 Et ceux qui vont faire le YouTube, vous allez couper cette partie. Munandika, vous écrivez ce qui arrive aux chrétiens lors de leur mort. Amen. Amen. Ou bien, munasema, ou bien vous dites le rôle du Saint-Esprit à la mort des croyants. Amen. Kazi ya Roho Mtakatifu wakati ya kifo cha waamini. Mui publier face yayo. Vous devez publier cette partie de la façon séparée. Amen. 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 Amina. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Taomba Mungu. Nous allons prier Dieu. Bwana wetu Yesu Kristo. Notre Seigneur Jésus Christ. Tunashukuru. Nous te rendons grâce. Be haungepanga hii mipango. Parce que toi tu as planifié ce qui. Tungekuwa tunaenda na tunahangaika. Nous serions en train de partir en train d'être. Lakini haukupenda tuhangaikake. Mais tu n'avais pas voulu que nous puissions errer. Maana ulitupenda. Tu as aimé ça. Parce que tu utatuambia kaseme muli niitika na mimi nimekuya bangoya. Alors, tandis que tu dois dire, vous nous avez accepté, moi aussi je suis venu vous attendre. Amen. Amen.
tena leo leo. Et nous t'acceptons encore aujourd'hui et aujourd'hui même. Tunakuambia hatuta kuacha. Nous te promettons de ne pas t'abandonner. Ewe Bwana Yesu Kristo. Oh Seigneur Jésus Christ. Roho wa kweli. Le Saint-Esprit le véritable. Muzima. Le Dieu vivant. Usituache kuanguka. Ne nous abandonne pas Seigneur. Miaka tunabakia nazo. Nous ne connaissons pas les années qui nous restent. Hatuyue nani anaweza enda. Nous ne savons pas qui peut partir. Na hatuyue kama ungetuacha kuishi nini tafika hata nyuma ya hapa. Et nous ne savons pas même si tu nous laisses.